Répandu dans la rue, mais dont bon nombre de gens voient à peu près ce que c'est. Été ? On l'a dit en perte de vitesse, mais commençons par le commencement. C'est-à-dire, non, rien à voir avec le roman homonyme de Nabokov. Non trompeur s'il en est, et laisse à croire à bien des gens que c'est une mode fétichiste ou que toutes les adeptes sont des allumeuses. En Occident, le mot sert d'ailleurs à désigner une adolescente habillée de façon aguicheuse et en entendant Lolita, c'est d'abord à cela que les gens pensent. Alors que pas du tout. Le mot, en japonais, a une connotation beaucoup plus innocente, comme dans la lotion de Lolicon. La mode Lolita, en fait, est connotée pudeur et pureté, donc tout le contraire. Mais le mot prête à confusion en Occident et, j'avoue, je le trouve mal choisi. Poupée de porcelaine aurait mieux convenu et c'est bien de ça dont il s'agit. Ressembler à une petite fille victorienne, sage. Le mouvement a des racines lointaines, remontant aussi loin que le rococo, comme dit dans le film tournant en grande partie autour du Lolita, Kamikaze Girls. L'inspiration vient des robes à crinoline du XVIIIe siècle, en plus court, des robes d'enfants du XIXe siècle, avec le même cours, et même un peu des années 1950, derrière période de l'humanité, où la mode féminine occidentale nécessitait le port de jupons. Dans les années 1970, la série La Petite Maison dans la Prairie inspire, en tout cas au Japon, une mode champêtre aux formes 19e siècle et des imprimés fleurs, le style prairie. On les appellera les modes otome et natural kei. Je reviendrai sur le natural kei. Quant à l'otome, c'est aujourd'hui une mode satellite du Lolita. C'est cette mode mignonne, le prairie, qui lancera le Lolita. En fait, dans les années 70 et 80, certaines poupées ou personnages animés portaient des vêtements qui me rappellent beaucoup le futur Lolita, rétrospectivement. Dans Princesse Sarah, c'est normal. Il s'agit de petites filles à l'époque victorienne ou édouardienne, dans Candy. Mais dans l'animé des années 80, donc censé se dérouler à cette époque, Laura, la passion du théâtre, Sidonie, une fille de bonne famille, porte des tenues semblant préfigurer Lolita. De mon point de vue, mais c'était quand même troublant. Bonne société toujours, avec ce que porte Gwendoline dans les années 1980, même si la période est difficile à définir. Il y avait aussi ce que portaient les Charlottes aux fraises. Ça se justifiait, car les Charlottes sont censées être des poupées de chiffon dans la prairie, elles aussi, ou les Thierry Mary Muffins. Et les Idols, ou chanteuses japonaises adolescentes, à la carrière éphémère. Dans le documentaire Otaku, fils du virtuel de Jean-Jacques Benex en 1994, une idol m'avait rappelé une sorte de jolie poupée par ses vêtements. Elle reflétait peut-être la mode doll, je pense qu'on aurait dû continuer à l'appeler comme ça, du début des années 80. Au Japon, ça consistait à porter les robes à dentelle de la marque Milk. Bien plus tard, on peut se demander si le dessin animé Ever After Eye ne s'est pas inspiré de cette mode pour le look des héroïnes. À la fin des années 90, Mana, chanteur japonais de Visual Kei, donc très looké, créé en 1999 le label Moi-même Moitié. Ça s'appelle vraiment comme ça et ça veut rien dire. Mais le français a une connotation chic et très gracieuse au Japon. C'est là, dit-on, que naît le mouvement de Gothic Lolita. Oui, oui, le premier à porter du goth loli était Mana, donc un homme. Au tout début, on peut parler de dérivé du gothique. On l'appellera aussi J-Goth. Le style sera d'abord prépondérant au point que tout le monde sera d'abord appelé Gothic Lolita, ou Goth Loli, et j'ai d'abord cru que c'était le nom officiel. Mais les Lolita ne resteront pas éternellement en noir. À la fin des années 1990, aussi, le musicien Aya, donc oui, toujours un homme, du groupe Psycho le Sému portera le même style, mais en rose, baptisé Sweet Lolita. Dans les années 90, justement, certains autres styles underground, comme le fruit, coloré extravagant, explose dans la rue de Tokyo appelée Harajuku. Les photographes s'en donnent à cœur joie et les clichés paraissent dans Fruit Magazine. Deux best-of reliés sont parvenus en Europe, Fruit et Gothic Lolita.
Je vous ai peut-être vu passer et présenter l'inconvénient de mêler tous les styles, y compris dans Gothique et Lolita, qui juxtaposaient du Lolita et d'autres styles n'ayant rien à voir. Ça n'a pas aidé à fixer ce à quoi ressemble le Lolita pendant bien longtemps. Pire, les mangakas seront inspirés par ce style et donneront à des héroïnes, soit de façon permanente, soit juste sur un artwork, de tels vêtements. Mais le costume, quoique inspiré d'eux, n'est jamais du vrai Lolita. Ce qu'on voit dans Chobits est trop court et hypersexualisé, et Misa de Death Note porte du gothique, point. Plus précisément du fétiche. Le cosplay va néanmoins brouiller les pistes, notamment en Occident. Surtout que les conventions manga et le cosplay vont se populariser au même moment en Europe. Les premières à porter du Lolita dans les pays occidentaux étaient par conséquent des fans de manga, d'anime et du Japon en général. Les mauvaises langues les qualifieront de weeaboo ou kikujap, c'est-à-dire un fan obsessionnel de toutes ces choses, mais n'exagérons rien. Certaines Lolita primitives étaient alors de très paisibles et modérées otaku. Reste qu'assumer le style au début des années 2000 n'allait pas de soi. Il était surtout porté en convention en ce temps-là, n'aidant pas le commun des mortels à le distinguer du cosplay. Peut-être êtes-vous confus, Lolita obéit théoriquement à certaines règles définies au milieu des années 2000, et ce qui s'en écarte est qualifié de Ita, Ai en japonais Lolita, ou Lolita ratée. Théoriquement, car nombreux sont celles qui vous diront qu'on peut tout aussi bien faire ce qu'on veut, mais le risque est qu'un interlocuteur ne reconnaîtra pas les vêtements portés comme du Lolita. Alors quelles sont les règles? Numéro 1. Le port d'un jupon, en forme de cloche, sweet, ou de A majuscule, c'est-à-dire les autres styles. Ça sous-entend que la jupe est assez large pour ça pour commencer. Numéro 2, un certain sens de la pudeur. La jupe tombe minimum aux genoux, mais jamais à mi-cuisse. Il y a toujours une chemise, plus à manches courtes, sous une robe à bretelles et même en cas de fournaise. En gros, le même genre de sens des convenances qu'au 19e siècle, où ça se faisait pas de montrer ses chevilles. Numéro 3, des couleurs douces, le fluo est proscrit. Numéro 4, de jolies chaussures, souvent à bride, à talons plus ou moins hauts, mais jamais de talons aiguilles, de baskets, de rangers, etc. Numéro 5, un aspect mignon, à grand renfort de volant, nœuds et dentelles, mais pas trop. Numéro 6, du coton comme matériau de base, pas de satin, de dentelle synthétique ou de panne de velours. Numéro 7, le maquillage est léger, le noir à lèvres est déconseillé, même sur le gothique. Celle qui prend le risque de porter trop de dentelle, de l'asymétrique, en tout cas ailleurs que sur une surjupe, pas de jupon et de chemise, du synthétique, du trop court, des talons aiguilles, des barésies, des manches amovibles, des accessoires d'animaux ou de soubrettes, du noir conjugué à des teintes claires, ou du violemment coloré, voire tout cela à la fois, risque de se voir taxé de Ita. Mais la controverse, car en promettant du Lolita, certaines choses étaient admises, comme le non-port de jupon, l'abondance de dentelle ou les couleurs prononcées. Le bleu néon associé au noir était courant chez moi-même moitié. Le style de l'époque fin des années 1990, début des années 2000, est appelé aujourd'hui old school. En ce temps-là, on osait rarement porter ce style à temps plein, et les filles se changeaient une fois arrivées à Harajuku, puis de nouveau à l'heure de repartir. La fin du dit style date du milieu des années 2000, tant au Japon qu'en France. En France, justement, j'ai vu ma première Lolita à cette époque, et peut-être vous aussi. En effet, c'est dans le cadre de l'émission Zone Interdite en octobre 2006. On m'avait annoncé, je m'en souviens, une émission à propos des Japan Maniacs. Or le sommaire était, horreur, les nouveaux dangers qui menacent les adolescents, au point que j'ai d'abord cru que je me trompais de date. Les otaku étaient balancés sans discernement au milieu des pré-ados hypersexualisés, c'était elle qui était qualifiée de Lolita, des anorexiques, des piercés et des satanistes. Tout ça à cause d'un récent fait divers d'alors à propos de deux ados en échec scolaire qui avaient décidé de fuguer au Japon et que leur portable avait permis de retrouver assez vite. Est-il nécessaire de préciser qu'elles n'étaient pas parties pour voir le Japon, point, mais surtout pour fuir leurs problèmes et que donc tous les Japan Maniacs ne fuguaient pas. Mais sensationnalisme, tout ça, le reportage sort une phrase devenue un temps un mème parmi les cosplayers tant elle était stupide. Nous sommes en pleine régression. À propos du cosplay, justement. Et donc, il suivait deux jeunes filles, dont l'une, Marine, dite Shu, 14 ans, était déterminée à vivre pour toujours au Japon dès l'année suivante. Un régal pour les journaleux. Avec son amie Dekora, variante chargée du Schutz, Suika, c'était aussi un surnom, bien sûr,
elle se rendait à Japan Expo dans sa plus belle robe gothique Lolita. Mais, je peux le voir aujourd'hui, c'était pas encore tout à fait ça. Ces robes évoquaient en fait plutôt une soubrette, en raison de l'association très commune du noir et du blanc dans le old school. Donc une erreur courante consistait à confondre les deux, à porter des petits tabliers et coiffes caractéristiques. À part ça, pour Shu, pas de jupon, pas de chemise, trop de dentelle, jupe trop courte. Seules les chaussures étaient déjà pas mal pour l'époque, surtout compte tenu de la difficulté d'alors de se procurer des pièces. Kamikaze Girls est sorti en France en 2006, toujours, avec une Lolita, Momoko, dans le rôle titre. Momoko est cynique et asociale, ce qui contraste avec son style mignon, mais pourquoi pas. Porter de tels vêtements suppose un fort caractère et un certain mépris des convenances. Elle vénère la France et la période Rococo, ainsi que les robes de la marque Sweet Baby The Star Shine Bright. Je reviendrai sur les labels et genres. C'est après cette année-là que la communauté occidentale explose, d'abord sur les forums et le Live Journal, et plus tard sur Facebook, tandis que les rassemblements se font plus nombreux et en dehors des conventions. Internet se développe conjointement, permettant aux occidentales de se procurer des pièces. En effet, il n'existe qu'une boutique Angelique Pretty, encore une autre marque du genre Sweet, sur le territoire français, une boutique Baby The Star Shine Bright sur Paris, ayant fermé en mai 2017. Seuls, les menus accessoires peuvent se trouver dans des boutiques locales, comme Claire's. Abordons les différents genres, comme le gothique, il peut exister des versions Lolita de presque tout. Pratiquement plus porté aujourd'hui, il était néanmoins le premier genre, donc il convient de l'aborder pour commencer. Le style est encore balbutiant, donc même les grandes marques vendaient des robes trop étroites pour permettre le port d'un jupon, ou un peu courte, laissant dépasser le pantalon de dentelle ou bloomers. Le bleu néon et le blanc associé au noir étaient aussi des combinaisons populaires. De façon générale, les couleurs étaient plus franches. Les robes étaient unies et les chaussures noires, blanches ou brunes. Les prints, c'est-à-dire les motifs, et les couleurs variées sur les chaussures sont arrivées plus tard. Concernant ces dernières, les semelles en bois compensé étaient alors très communes. Momoko en porte souvent dans Kamikaze Girls. Les Rocking Horse Shoes, un modèle inspiré du ballet Petrushka, répandu à l'époque, évoquaient les ballerines des danseuses, donc avec le lassage, et le devant arrondi permettant de faire des pointes. Les headdress étaient des rectangles de tissu parfois très larges, fixés par des barrettes ou noués par un ruban sur la tête. Quand ils étaient trop larges, ils ont vite été surnommés les serviettes hygiéniques. À peu de détails près, et à moins d'invoquer délibérément ce style, tout ceci a disparu. Je recommande le visionnage du Kamikaze Girls, pour les curieux, de voir à quoi ressemblait le style old school. Après 10 ans, le style de Momoko paraît démodé, mais il était représentatif. C'est noir, oui, mais pas que. Ou sinon, c'est du Kuro, comme on verra après. Le blanc, qui a trop souvent été confondu avec le genre soubrette, et le bleu fluo sont peu utilisés à présent. Le gris, le bordeaux et le violet prédominent, notamment dans les prints. Ceux-ci sont en forme de croix, de vitrail, ou sont des scènes de vampires, de cimetières, de forêts profondes, etc. Les bijoux sont aussi souvent les mêmes que dans la mode gothique proprement dite. Les chaussures sont noires, ou noires et blanches, et sont souvent des bottes à lacets. Le goth loli fut très répandu, mais réputé aujourd'hui avoir beaucoup perdu de vitesse, notamment face au style suivant. Comme le nom l'indique, c'est l'inverse du précédent. Les teintes pastel dominent à commencer par le rose et le bleu. Les prints gays tournent souvent autour de thèmes enfantins. Gâteaux, jouets, manèges, fruits, contes de fées, licornes, cœurs, animaux mignons. Les accessoires et bijoux tournent aussi autour de ces thèmes, à commencer par les sacs à main en forme de cœur. Les chaussures sont elles aussi rose bonbon, bleu ciel ou blanche, et les babies à bourron et boucles en forme de cœur sont communes. Alors, on va faire taire une rumeur, il paraît que les motifs séduisent parfois les pratiquants de l'age play, ou principe consistant à se comporter en bébé ou enfant, avec un partenaire le plus souvent, le tout avec connotation sexuelle. Il est possible que les adeptes de l'âge play portent des robes sweet, même si je peux pas l'assurer parce que j'en connais aucun. Mais attention, contrairement à la rumeur, les Lolita sweet, elles, ne pratiquent pas l'âge play de base, n'ont pas de lien avec et n'y viennent pas pour cette raison,
non plus. En fait, la plupart détestent s'y entendre associé, souvenez-vous que ça n'a rien à voir, et fermons la parenthèse. Le style, l'un des plus anciens, a toujours été populaire, mais à partir de la fin des années 2000, connaît une vraie rage avec la variante OTT ou Over the Top. Il s'agit d'un enfant obtenu avec la mode Décora qui est très chargée. En conséquence, les cheveux sont pleins de barrettes, avec une préférence pour celles en forme d'étoiles ou les Star Clips de Chocomint. Voir ces barrettes sont dans des perruques. Les perruques peuvent se porter avec tous les styles, mais dans l'OTT Suite, elles sont de couleurs inhabituelles et même bicolores. Un énorme nœud sur la tête est aussi une coiffure courante. Comptez aussi plusieurs colliers au cou, de bracelets, de bagues, en plastique et en forme de bonbons ou pâtisserie. Les peluches, notamment sous la forme de porte-clés ou de sac à main, sont aussi un accessoire commun. Et les wrist cuffs ou manches de dentelle amovibles portées en bracelet. Enfin, les robes sont forcément agroprint. Une autre variante, plus rare, est le bittersweet, un croisement entre sweet et gothique. Les prints restent identiques, mais le fond est sombre, généralement noir. Il est plus facile à assumer chez les Lolita plus âgés. Un style intermédiaire naît plus tard, au milieu des années 2000. C'est aussi coloré, plus que le gothique, mais dans les tons plus sobres que le sweet. Le rosé poudré ou le bleu pétrole. On use aussi de vert épinard, de bordeaux, de pourpre, de brun, etc. Les prints sont plus rares, et quand il y en a, les thèmes sont les fleurs, les instruments de musique, les livres, les horloges à toile de Jouy, etc. Ce style, ceux de plus élégant, que mignon. C'est pourquoi, comparé au sweet, il est porté plus souvent par les Lolita qui ne sont plus adolescentes. Les têtes et les barrettes simples sont privilégiées, tout comme les mini hats, ces petits chapeaux fixés à l'aide de barrettes. Soit à peu près les mêmes accessoires que dans le gothique. On leur ajoute des roses en tissu amovible, en broche ou en barrette. Aussi des chapeaux de taille classique comme les bonnets ou les cabriolets, ces chapeaux au 19e siècle à visière. Les bijoux sont souvent dans la thématique du camé. Les chaussures sont blanches, brunes ou noires, et généralement de type victorien. Une blague a circulé parmi les classiques, comme quoi on les reconnaissait à ce qu'elles étaient assorties au canapé ou à la tapisserie de leur grand-mère. Mais cette sobriété a porté ses fruits, en ce que cette troisième faction a fini par être plus portée que le gothique. Une tentative d'OTT a même été tentée au début d'année 2010 avec ce style. Mais l'élégance ne s'accorde guère avec la surcharge, que ce soit les fausses roses dans le bonnet ou les camés par paquet 10 sur la chemise. Cette version n'a donc guère décollé. Thank you.